Il charge à combien de pourcents mon téléphone? Ah, il faut que je le recharge. Bah, espérons que ce live-là va être utile à certains. Et dans tous les cas, le tuto, il est directement au début du live. Voilà. Je fais toujours comme ça, je fais toujours les tutos au début. Hein. Sur tous mes lives, sur tous mes jeux, voilà, c'est toujours au début. À part que si je papote un petit peu, mais voilà. Voilà. Alors, c'est vraiment pour les ceux qui savent vraiment pas l'anglais hein, par rapport. Voilà, parce qu'il faut savoir un petit peu l'anglais. Mais en vrai, ce mode-là, il est facile à installer, tu vois. Il est vraiment facile à installer. Et en plus, il a bien été codé. Voilà, c'est ce que j'apprécie des beaux modeurs. C'est des modes bien codés, sans bug ou quoi que ce soit, et qui s'installent facilement. Voilà. Alors, normalement, dans la description, parce qu'attends, on va aller sur la chaîne pour bien vous montrer la chose. Alors, ça, c'est la vidéo de l'Américain. Voilà, si vous voulez. Voilà, pour une petite pub, quoi. Voilà. 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 Voilà, vous cliquez ici. Non, je rigole. Et vous cliquez là. Bon, le lien, je l'ai déjà dans une autre page. Ça, le Mediafire, je l'ai dans une autre. Ah non. Bon, bref. Vous téléchargez le Mediafire. Ça, c'est le vinyle de l'Américain. Ça, c'est. Voilà. Ce mode-là, il est tellement facile à installer, les gars. Voilà. Si vous voulez voir tout le mode complet qu'il y a, parce que vous allez me demander, mais il y a quoi dans ce mode-là? Bah, vous regardez la vidéo de l'Américain, hein, si vous voulez voir le mode complet. Parce que moi, j'ai pas mis tous les vinyles sur la voiture. Voilà. Voilà. Je n'ai pas mis tous les vinyles sur mes voitures. Voilà. J'ai mis les ceux que j'aimais bien. Voilà. Et j'ai fait. Voilà, c'est tout. Voilà. En tout cas, là, celle d'Eddie, ça, par contre, c'est la première que j'ai mise. Hein. MDR. Après, je vous montrerai un tuto comment avoir sa vraie version d'Eddie. Parce que ce qui est un peu chiant avec ce mode-là, c'est qu'en fait. Comment dire ça? C'est que dans le jeu de base, en fait, j'arrive pas à trouver le vinyle d'Eddie, en fait. Mais ça, c'est vraiment pour les ceux qui veulent la Skyline d'Eddie, tu vois. Mais pour les autres qui veulent des vinyles un peu manga, bah voilà, c'est tout, voilà. Bah, voilà, pour l'instant, je vous montre comment mettre le pack de vinyle. Voilà. Si vous voulez avoir un pack de vinyle. Voilà. Alors bien évidemment, vous allez dans téléchargement. Voilà, le pack de vinyle ici. Là, vous faites copier ou couper, ça dépend de vos choix, écoutez. Hein. Moi, préférence, comme je vais le supprimer, je vais faire couper. Couper. Là, vous le mettez n'importe où, vous le mettez dans un dossier. Ou alors, vous le mettez sur votre bureau. Moi, je vais le mettre sur le bureau parce que c'est comme ça que je m'organise. Voilà. Bon, ça, c'est normal, c'est le logiciel qui fait chier. Voilà. Alors, c'est comme ça que c'est. Normalement, il y a un fichier texte avec le tuto qui explique. Mais en vrai, ça va, tu vois. Ça va. Voilà. Mais le fichier texte, il est en anglais. Hein. Voilà. En gros, ce que vous devez tout simplement faire, c'est faire comme ça. Voilà, vous les mettez. Au pire, vous prenez le dossier vinyle parce qu'il a tout prévu à cet effet. Voilà. Vous le glissez comme ça, le dossier vinyle. Voilà. C'est comme ça, vous avez le dossier. Alors, faut savoir que ça, c'est les noms de voitures. Ça c'est les noms de mode. Ça veut dire qu'en gros, en gros, si vous voulez un pack de vinyles sur la 350Z, mais n'importe lesquels, des vinyles un petit peu manga, bah voilà, vous avez ça, vous avez ça, vous avez ça, vous avez ça. Alors, je garantis pas que sur toutes les voitures, il y a un pack manga minimum. Je le garantis pas, les gars. Mais normalement, sur la plupart, il y en a.
La plupart, même la Civic, pour les ceux qui ont la version américaine. Voilà. Pour la Civic. Voilà, mais pour les ceux qui ont la version européenne, bah, ils n'auront pas la Civic dans le jeu. Ils auront la 106 et la Opel à la place. Voilà, malheureusement, il n'y a pas pour cela. Ce sera peut-être dans une prochaine vidéo, écoutez. Si je trouve un nouveau pack mode, soit de la même chaîne YouTube, soit d'une autre chaîne, voilà, c'est tout. Là, c'est le. Voilà, c'est tout. Après, vous allez dans votre dossier parce que c'est pas fini. Hein. Voilà, pour les ceux qui n'ont aucune expérience au niveau du building, ne vous inquiétez pas, c'est un truc ultra facile. Voilà, vraiment, un bébé pourrait le faire. Voilà. Mais il y a un truc qu'il faudra que vous recherchiez dans votre PC même, c'est le fichier racine du jeu. Bon, c'est-à-dire, en gros, c'est un mot un peu compliqué. En gros, c'est où ce que votre jeu il est stocké avec tous les fichiers qui permettent de le faire fonctionner. Voilà. Moi, de préférence, j'ai mis dans mon disque dur SSD, voilà. Bon, pour SSD, c'est pour des gros jeux, mais je mets tous mes jeux là-dedans. Voilà. Alors, ça va pas être comme ça. Vous, normalement, votre fichier va s'appeler Need for Speed Underground 2. Voilà. EA Games, c'est mon pote qui l'a créé, pour histoire de regrouper les fichiers racines de Need for Speed, quoi, de Mousse-Wanted 2005. Plus tard, je ferai du modding dessus, etc. Parce qu'il y a beaucoup plus sur Mousse-Wanted, les gars. Il y a beaucoup plus. Voilà. Alors, pour ça, vous devez aller dans Car. Voilà. Bon, après, dans la version française, je sais pas s'il fera écrit voiture ou quoi que ce soit. Voilà. Moi, de préférence, c'est car. Voilà. Enfin, me prévenir. Voilà, pour les voilà. Je fais cette vidéo-là pour les ceux qui ont vraiment le jeu sur PC. Sur PS2, ça ne fonctionne pas. Voilà. Voilà. Sur les consoles, ça fonctionne pas. Ou alors, il faut vraiment la jailbreak. Voilà. Que sur PC, ça fonctionne très bien. Voilà. Bah du coup, pour faire ça, on va commencer par la 246. Là, les mods, je vais pas les glisser parce que je les ai déjà mis. Voilà. Voilà. Ah, voilà, vous tapez, vous faites comme ça. Vous glissez le fichier vinyle comme ça. Et vous faites remplacer. Moi, je vais faire ignorer ce fichier. Mais ça, c'est que moi, les gars. Voilà. Sinon, vous faites ça. Voilà. Vous faites remplacer les fichiers et vous faites ça pour toutes les voitures ici. Voilà. Sauf la Civic. Ça, la Civic, si vous avez la version américaine, vous pouvez le faire avec la Civic, bien évidemment. Bah moi, faut savoir que moi, je l'ai la version américaine, mais comme mon pote. Parce qu'en fait, mon pote a fait une expérience, en fait. Parce que si vous voulez avoir absolument la 106 de Underground et que vous avez la version américaine. Et que vous ne l'avez pas, parce que moi aussi j'ai dit, mais c'est pas possible, elle l'est pas la 106. Et là, Opel Corsa, ben vous supprimez le fichier Civic et le fichier NSX. Voilà. NSX. Voilà. Vous les supprimez. Et les voitures de la version européenne vont se mettre automatiquement. Ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça. Voilà. C'est simple comme bonjour. Voilà. Vous supprimez le dossier. Voilà. En gros, vous faites comme ça. Voilà. Et quand vous faites comme ça, quand vous avez fini de tout faire ou de faire uniquement vos voitures que vous avez bien. Mais par contre, je précise qu'il faut avoir une. Bon, c'est pas obligatoire d'avoir une sauvegarde à 100%, mais il faut au moins presque finir le mode carrière. Voilà. Ou alors, dans ces cas-là, il faudra un autre logiciel. Il faudra un autre logiciel dans ces cas-là, alors, si vous êtes débutant dans le jeu, voilà. Mais ça, au pire, vous me le dites dans les commentaires. C'est un de ceux qui débutent sur Underground 2 et qui voudraient bien avoir les vinyles facilement, même en étant débutant. Voilà, parce qu'il faudrait un logiciel comme ça, je vais vous le montrer. Attendez une seconde. Il faudrait un logiciel TextDead. TextDead, ça n'a rien à voir avec mon mod. C'est un mode qui remplace les vinyles d'une voiture. Voilà. Mais ça, j'en ferai une prochaine vidéo. Enfin, un prochain live. Enfin, prochain tuto. Si vous me le demandez dans les commentaires, ou alors on verra, voilà. Ou alors quand je ferai le tuto TextEd, parce que la plupart des mods que vous trouverez sur Internet, ce sera avec TextEd qu'il faudra le faire. Ce sera avec ça qu'il faudra le faire, les gars. À part que moi, j'ai une version buggée. Voilà, j'ai une version buggée, alors.
Comment dire ça? Alors, je ne sais pas si ça va vraiment fonctionner, voilà. Enfin, quand je trouverai une version moins buggée, j'en ferai un tuto. Elle est quand même buggée, elle fait quand même pas mal bugger le jeu. Mic off. Mic on. Bon, re, les gars, on va démarrer notre jeu, hein. C'est parti. Ah merde, j'ai mis sur la télé. Mets sur le casque. J'ai mis sur la télé. Salut, c'est Brooke Burke. J'interprète Rachel Taylor dans Need for Speed Underground 2. C'est vraiment un nom de merde, Brooke Burke, hein, c'est incroyable. Manette veut pas fonctionner, celui-là. Oh, parfois, il y a des bugs de manette. Hein. C'est pour ça que je le redémarre plusieurs fois, c'est pour la manette. Voilà. Salut, c'est Brooke Oh, mais c'est une Burke. blague! Mais c'est une blague, ce jeu! Attends. Ce jeu-là, c'est vraiment une blague, en fait. Non, je parle pas du tuto, mais... Après, oui, c'est un vieux jeu, on peut pas en vouloir, mais quand même, tu vois. C'est marrant, moi, je joue avec une manette de série X sur un jeu qui date de 16 ans. C'est ça qui est marrant, tu vois. Et le pire, c'est qu'avec la manette, t'arrives bien à conduire dans le jeu, genre. C'est pas comme les vieilles manettes de PSE que t'avais vraiment du mal. Mais si vous voulez vraiment une vraie sensation du jeu, faut vraiment le faire avec une vieille manette de PS2. Mais c'est chaud à brancher sur son PC, tu vois. Faut vraiment l'adaptateur et tout, c'est chiant. Mais pourquoi se faire chier pour une manette de merde? Sérieux. Voilà. Alors, je vais vous montrer où ce qui se situe, ces vinyles. Voilà. Pour ceux qui connaissent Underground 1, ce vinyle-là est dans le pack. Voilà. Que je vous ai fait télécharger. Hein. Voilà. Pour ceux qui connaissent vraiment la licence mais qui veulent des tutos en français, bah vous êtes le bienvenu. Hein. C'est selon où ce que vous avez remplacé vos fichiers. Si vous n'avez pas le vinyle, c'est que le fichier n'a pas été remplacé. Alors dans ces cas-là, il faudra recommencer la petite manip, quoi. C'est tout. Voilà. Alors pour l'emplacement des vinyles, vous allez ici. Pour laisser qu'on sauvegarde à 100%, bien évidemment. Attendez, Froufré, je vous montre ça sur une voiture d'origine. Voiture de série. On prend au pif, hein. Non, il n'y a pas Solar RX7. Attends, vous savez ce qu'on va faire? On va customiser la 240, tiens. On va custom la 240 et je vais regarder les commentaires parce qu'il y a peut-être de ceux qui ont mis des commentaires sur le live. Parce que là, je vous ai présenté la partie tuto. Là, je vais vous faire la partie présentation. Mais si vous voulez voir vraiment plus de ce pack-là, allez sur la vidéo de l'Américain. Et lui, il vous montre tout le pack complet, tu vois. Après, je ne sais plus comment voir le vinyle dédié officiel. Parce que moi, j'ai dû bidouiller un petit peu, j'ai dû utiliser Texted. Pour remplacer le... Parce qu'en fait, il y a un vinyle Eddie qui avait des bandes bleues sous le capot. Moi, ça me fait chier parce que les bandes sont pas bleues, elles sont oranges. Mais par contre, il est dans les fichiers du jeu. Voilà, ce vinyle-là, il est dans les fichiers du jeu, mais je sais pas ce qu'il est. Alors du coup, j'ai remplacé son fichier avec le vinyle bleu par le vinyle orange. Voilà, moi, je suis comme ça. Hein. Quand c'est une réplique d'une voiture, faut pas me mettre une bande d'une autre couleur. Hein. C'est pas comme ça que je fonctionne. Voilà. Mais si vous voulez, je vous en ferai un tuto si c'est vraiment pour le vinyle dédié. Voilà. Là, le but du tuto, c'est d'avoir des vinyles comme ça. Voilà, à la base. Voilà. Comment j'ai réussi à le faire? Voilà, j'ai réussi à avoir.
Mais je sais pas comment il fait l'Américain pour avoir son vinyle, hein. Dédié. Hein. Le vrai vinyle, quoi. On va prendre la 140, je sais pas ce qu'elle est. What the fuck? Ah non, c'est mes voitures! Toutes les voitures. Non, il y a sur la 240. Oui, la 240. Ah bah parfait! Oh, je vais mettre une autre musique, une musique pourrie du jeu. Non, je rigole, c'est des bonnes musiques, mais... Ouais, mais j'aime bien faire un peu différent. Voilà. Attendez une petite seconde. Bon, en vrai, il n'y a aucun commentaire, mais bon, on sait jamais pour voir. Hein. Alors... Je pense que je vais mettre comme musique. J'aurais bien voulu une musique un peu plus manga, un peu plus appropriée. Parce qu'une musique un peu de rap, je sais pas. En plus, c'est du Tupac. Ah, je suis un fan de Tupac, les gars. Bon, pas un grand fan non plus, parce que je connais pas toutes ses musiques, mais. Un certain que j'aime bien. Je sais, ça va tellement pas avec. Mais moi, je m'en fous. Moi, j'ai une sauvegarde à 100%. Moi, j'ai tous les kits de carrosserie. Oh, il est beau ce kit là. Je bien cet aileron là. Ça me rappelle la 186 qu'il y a sur Payback, ça. Ça me rappelle la 186, tiens. Ah, il est bugué le jeu. Ouais. Non, je vais pas lui mettre le carbone. C'est là qui se situe le vinyle, les gars. C'est là qui se situe. Ah, ah ben il est là, les gars. Ah putain de caméra. Yeah.
and even with the people, that's my posse. I spend my time watching bitches behind, thinking bad shit in the back of my mind. And even if they pull their trigger, they can shoot one man, but nothing's gonna stop the plan of truth. I'm bumping grind with nothing less than a dime, making movie money, you still investing in rhyme. Some say the government will watch me, but they can't stop me, I'm dropping evil with the people, that's my posse. I spend my time watching bitches behind, thinking bad shit in the back of my mind. And even if they pull their trigger, they can shoot one man, but nothing's gonna stop the plan of truth. I'm bumping grind with nothing less than a dime, making movie money, you still investing in rhyme. Y'a pas une couleur qui lui irait bien là? DJ Nemo. Ah, elle est pas mal celle-là. Mettez-lui cette couleur-là si vous voulez vraiment le voir, le vinyle. Alors, vous ne verrez pas tout du vinyle. Mais ouais, ce que je veux dire, ça, c'est vraiment pour les ceux qui ont mis trop de reflets sur le jeu. Voilà. Ou alors, les reflets... je sais pas si on peut les supprimer, d'ailleurs, les reflets. You know how we do it on the west side, nigga. J'essaie de baisser la luminosité du jeu. Je vais voir si on peut le faire dans les paramètres. Alors. One man, but nothing's gonna stop the plan of truth. I'm bumping grind with nothing less than a dime, making movie money, you still investing in rhyme. Hey, Duke sure look cute in the black suit, but even cuter behind the barrel of my six shoot. You look worried, cause I ain't worried. Punk's leaving a hurry, cause out the flurry's making motherfuckers scurry. I feel the flavor from my single. Non, j'ai supprimé pas mal de reflets. Bon, après, je sais pas. Putain. Ah, mais ça a l'air d'être mieux, tiens. Ah ben parfait! Voilà, c'est pour les gens qui disent qu'il y a trop de reflets dans le jeu. Bah, vous pouvez supprimer un petit peu les reflets, écoute. Allez, ultra stylé comme ça. Ouais. On the
dropping evil with the people, that's my posse. I spend my time watching bitches behind, thinking bad shit in the back of my mind. And even if they pull their trees, they can shoot one man, but nothing's gonna stop the plan of truth. I'm bumping grind with nothing less than a dime, making movie money, you still investing in rhyme. Hey, fuck with the 5.0. DJ Nemo. You don't wanna see me, cause I'm a West Side hustler. On va changer un petit peu de musique. Pendant le temps, je fais le mode carrière de Mousswalti, ouais. Elle est quand même cheatée, hein, la 246. Putain, elle est cheatée. I got it.
show off in my shoes, my boots, my kicks, my flip flops. Oh, je trouve qu'elle est pas mal comme ça. Ça fait un beau truc, quoi. Bien, bien nickel. Et encore, c'est pas fini. Bon, on le voit pas très bien, mais celui-là on voit bien. On voit bien le logo Sega. Excuse me. Comme capot, oh, il est pas mal celui-là. Il est pas mal. Non, je peux pas en mettre à l'intérieur. Ça va mieux mettre cela. Parfait. If you hungry pizza man, he don't come around here. And I dare Jehovah's Witness to knock around here. Whips get stole, they never getting towed around here. Stay in the news, but never nothing new around here. If you ain't never been to the ghetto, man, don't ever come to the ghetto, man. Don't be slipping, you get put up and see what's down there for your bling. Even you two-way leaper down there, I got this bitch. She got a crib down there, I moved out, but I still get to live down there. You couldn't go down there to see a little down there. I did for you a bastard down there, I go down there. So don't go down there, and you go down there. Oh, make fun of kids, yeah. You stroll down there, and you whip all back down the road down there. They don't play, don't pitch straight up all hoes down there. Who ain't hood grit, still pole down there. Been working mighty hard till they old TBBS. Down there. And they got a security guard in the store down there. But them kids are selling me, so to stole down there, man.
game everywhere. Come around iced out and you get out anywhere. Fight to give it up and you get out anywhere. Most these people, they don't live anywhere. So every other night they just sleep everywhere. I try to live that life, but it ain't get me anywhere. I make my money here, there, but I can make it anywhere. Who ask about me, Sonny, they respect me. Been in big and pop down here, there, everywhere. Every block locked down here, there, everywhere. C'est histoire qu'on voit les pizzicultures japonaises. Les chefs. À ah bah parfait. Oh, c'est tout foncé. C'est un peu comme ma 206. Ah oui, mais on voit pas. C'est marrant ça. Homie, you don't wanna get familiar with us. Nigga, you will give me and my rush. I'm sick on
On le voit pas très bien celui-là. Je sais pas, mais moi je vois pas très bien. Alors on tente le cacher avec le coup. But you do not know me. Quit eyeballing, big you down, for you do not know me. You don't want to know what I've been thinking of. You better go ahead on and find you another spot to chill, cause I've been dipping dust. We see a light and everything ain't great. It's like everybody mine is in the same old state, you know? I'm doing new. I quit his revenues. I'ma tell you four nigga things I'ma never do. Run. Never gonna stop trying to get it. Two. Never turn my back on my city. Three. Never let the money pull the grip in. I'ma never stop hollering at the sense chill. En plus, on va la laisser au pire. En plus, il est pas bugué pour ça, les gars. From the 3 to the 17, yo, we doing it big. If together, you know, wacko and juvenile is. New Orleans, see, I'ma rep that, cause these my peep. You can pick up some bad habits hanging in these streets. Heavy talking to this and that, showing your teeth. Walking around you like you took care and you handled your beat. Pose it off, cause you wanna come talk to me. To show me the lil, give me something hard for me. I take it back to where the big timers were pushing the shoe. When they mobile digging suits like it was regular jobs. When Club Adidas goes down on the north, used to be back. And Newton started popping and it started from starting. We used to do it. Jokes in the back. We had four rules in life, and I can promise you that I'm a run. Never gonna stop trying to get it. Two. Never turn my back on my city. Three. Never let the money put the whip in. Four. I'ma never stop hollering at the sense go. And 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 the sense go. Player, why you mugging? Why you mugging? Let that go. Let her bounce with a out six coat. Let a wild out and flick it up for disco. Let me gas up, go down and get ghost. Ain't tricking for them, tricking for them. I like to get your stupid trying to stand. Oh, that's a big deal. Good girls love G's, that's how they go. The squad needs to tighten up and get low. I know you heard, I'm getting dough. Let me check my palm pilot, I get. Let me check my squad while it's getting close. My squad up in the cry while it's spit mode. Drive 5 to 5-5, forget a phone. 5-5 and another 5 to get a show. 15 and another 5, you get some to show. You're hustling, you're block popping, you get some more. Run. Never gonna stop trying to get it. Two. Never turn my back on my city. Three. Never let the money pull the whip in. I'ma never stop hollering at the sense go. And 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 the sense go. Melodies like a heartbeat playing against piano keys. It's a breeze, 365 degrees. Turn around and you might catch these, so just freeze. A riddle with no clues, I'm a walking nightmare. Anywhere, anytime, boy, I don't fight fair. A day in my shoes is a day with no fear. So walk barefooted and save your whole year. And I wear a mouthpiece cause I grit my teeth, so just bite your tongue. Come on and just tell me. Yeah, my crew is all fired up. Y'all better just wise up. Yeah. Everybody getting sized up. Before we all rise up. Come on. Start running your times up. Tell 'em. Cause when my crew ride up, what? The sky gon' light up. Yeah. Everybody get fired up. In the club to a beat, in the street with a beef in the heat. Everybody get fired up. If it's black, if it's white, if it's wrong or it's right, day and night. Everybody get fired up. Don't matter if you win or you lose, only one thing to do. Everybody get fired up. On voit pas très bien le burger. Put it down, every town, every city, if you feel me and you with me. Everybody get fired up. Yeah, I'm an
Ah, mais je suis bête, c'est parce que c'est le vinyle là en fait. Ah merde! Parfait. Vous avez vu ce que ça donne au final, hein ? Une belle œuvre d'art. Non, normalement sur votre écran c'est un meilleur rendu, hein, normalement. Ouais, elle est vraiment stylée, hein. Putain. Cause.
Ça me rappelle un petit peu San Andreas, les textures et tout. C'est parti. Ah, si choc, on peut pas ralentir plus que ça. En vrai, il y aurait moyen de faire plus fort. J'essaierai de trouver un mode pour les musiques. What the fuck? Hey, frère, Eh les gars, vous avez vu ça? What the fuck, frère? Comment ils sont tous crash là comme des. Ah, apprends à conduire, putain! Je préfère mieux Underground 1, sérieusement! Au niveau de sa difficulté, parce que là, c'est du n'importe quoi. Oh, moi aussi! Dommage qu'il n'y a pas le mode ralentir. Mais regarde-moi ça, frère! What the fuck? Olé! J'envoie la purée dans une ligne droite, tu vois. Même en difficile, il est facile, frère. Oh putain! Physique de merde, évidemment. Je vais faire une meilleure propulsion. Elles n'ont aucune pitié, les IA. Ah ouais, carrément. Ta mère! Enfin, avec une 206, je l'ai batté.
Bon, allez, sérieusement, je vais me réveiller. Eh oh! Enculé, moi. Underground 1, ils te mettent un turbo qui va à 500 km/h. Enfin, les IA en tout cas, c'est pas moi, c'est les robots. Que ici, dans Underground 2, tu peux complètement les larguer. C'est comme dans Most Wanted, c'est ça, tu peux les larguer. Littéralement. Bon, parce qu'ils se sont dit, c'est un peu trop abusé. Mais... Après, je sais pas, si tu fais un accident, t'es censé rester sur place. Hein. C'est le principe de l'accident. What the fuck? Tout ça parce qu'il s'est mis de la nitro, frère. Frère, ils ont un boost, mais abusé. Ouais, sérieusement. Quel jeu là, toi? Dégage là, toi. Ah, il me colle au cul. De laquelle, moi. Vas-y, hein. Putain.
Vas-y. Ils sont complètement cons, difficile, c'est pas possible. C'est comme si on leur disait Alicia, soyez difficile avec, avec moi. Mais qu'ils arrivent pas, tu sais. Ah oh, mais c'est hallucinant, hein, regardez-moi ça. Regarde comment ils sont complètement largués, frère. Ouais, c'est bon. Voilà. Quoi faire chier, voilà. Alors, bah, ça va. Attends, Toto. C'est un cas, ciao. T'es ça qui est ciao. Fais ça qui est ciao. Qui est ciao. Qui est ciao. Voilà qui est ciao. Du Rob Zombie. Du Rob Zombie. Ma 206, ma 206, ma 206. Ma 206, qui se fait là, hein. Non, on peut en avoir deux de Skyline. Enfin, on peut en avoir plusieurs, quoi. Et sur cette Skyline, je vais faire la même IDI, mais en bleu. Si vous voyez ce que je veux dire.
putain. 16. Wow. La dernière. La dernière, wow. C'est du n'importe quoi. Alors, j'ai regardé le nom du tir. Baby. Ensemble tir numéro 100. Oh, ça va pas être compliqué à retenir. Hein. Mais après, comme c'est en anglais dans le fichier, bon, je sais pas. Parce que là, il a mis le jeu en français, mais. Ah bah super, le jeu il a planté hein. Il a planté. Bon en fait le jeu il plante, c'est pas à cause de mon mode pack, c'est à cause du mode comment dire ça, c'est à cause du logiciel que je vous ai parlé tout à l'heure, parce qu'il est un petit peu bugué le logiciel, parce que le mode que je vous ai présenté ne plante pas hein. C'est vraiment ça en fait, parce que j'ai dû l'utiliser pour la Skyline. Parce qu'en fait, faut savoir que moi, j'ai pas réussi à trouver les vrais vinyles, enfin les vrais stickers dédiés. Voilà, et ça me cassait les couilles. Voilà. Tout simplement, ça me cassait les couilles. Parce que je vais vous montrer. Hein. C'est, normalement, si vous le faites de votre côté, vous n'êtes pas censé avoir comme moi. Voilà. Je vais vous montrer une preuve que j'ai utilisée d'ailleurs. Parce que regardez, j'ai un doublon, un doublon, ça veut rien dire. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer les fichiers de la, attends, je réfléchis. C'est-à-dire que moi je vais aller dans le dossier racine parce que là je vais tout remettre à zéro histoire de ravoir le vinyle bleu parce que je l'ai plus. J'en ai plus. De toute façon, je les ai déjà sauvegardés ici. On va dans le dossier racine du jeu. Et là, on va glisser le dossier Skyline. Remplacer. Et là, on va recommencer l'extraction. Hop. Là, c'est open. Ah, ça n'a pas marché. What the... What the fuck, frère? Okay, là, les games, là. 78, je pense que c'est ça, les gars. Vous voyez, vous aurez celui-là. Vous voyez? Moi, je vais essayer d'avoir les deux. Voilà, voilà. C'est-à-dire. Parfait, c'est ce que je voulais. Parce que celui-là, vous le trouverez pas, en fait, dans le jeu. En tout cas, moi, je l'ai pas trouvé. Si vous le trouvez de votre côté, tant mieux, mais il faudra me dire où ce que c'est précisément. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va extraire les deux, en fait. On va extraire les deux, parce qu'on peut, les retirer, les transformer sous forme de fichier. Il faudrait que je vous montre ça. Bon, au pire, ici, je vous montre le tuto comment avoir le vrai vinyle Didi. Voilà. Ou avoir les deux, mais les avoir séparément, mais voilà. Que vous puissiez les mettre sur vos voitures. Voilà. Alors, celle-là.
case. Export checker. Un dossier, vous l'appelez. Vous l'appelez n'importe, mais voilà, vous vous appelez U2 pour faire plus court. Alors, si vous n'avez pas déjà un autre dossier qui s'appelle comme ça, ben, vous pouvez. Recherchez le U2 et le fichier, il va apparaître dedans. Regardez. Il va apparaître dedans. Il faut les deux obligatoires, les gars. Enfin, c'est préférable. Hein, c'est préférable. Mais par contre, si vous bidouillez ça, vous risquerez de faire un peu bugger votre jeu. Je vous préviens d'avance. Voilà, voilà. Ah, mais c'est vraiment pour les ceux qui veulent la voiture dédiée. Bon, je dis bugger, c'est uniquement au niveau des stickers. Après, vous faites une course, vous faites n'importe quoi. Ça ne buggera pas, les gars. C'est uniquement au niveau des stickers. Voilà. Je connais déjà ces bugs-là. Alors, le U2. Ah, mais je ne l'ai pas sélectionné. Exportel. Ouais, je l'avais pas sélectionné. Temps pour moi. C'est bien celui-là. Hein. Et du coup, on va faire un autre dossier. C'est histoire de séparer les deux, sinon vous ne saurez pas c'est lesquels, etc. U2 et dire. Et là, on va recommencer la manip, mais avec le truc dédié. Alors. C'est pas bureau, c'est Eddy. Parfait, vous ouvrez votre dossier comme ça pour voir s'il apparaît. Ah, je ne l'ai peut-être pas sélectionné. Parfois, ça peut toujours pas marcher. Parfait. Là, ça a marché. Là, on a nos trucs séparés. On croit que c'est une photo. C'est pas une photo, c'est des lignes de code. Gros con de PC. Bon. Bon, là, ce que je vais faire, c'est qu'en gros, je vais mettre cela sur cela et cela sur un autre. Voilà, c'est ce que je vais faire. Celui-là, c'est comme s'il était face. Celui-là, on s'en fout. Voilà. On va faire replacer. Bureau. Eddy. Voilà. Le masque, c'est toujours en deuxième. Vous mettez d'abord celui-là. Parfait. Alors, n'oublie pas de cocher la case. Hein. Moi, j'ai eu des blagues et tout. Non. Et le masque qui va avec. Bon, c'est moi je le mets comme ça pour être sûr. Ah, je savais pas qu'il y avait celui-là, tiens. Celui-là, je vais essayer de le chercher, mais si je le trouve pas, mais non. Mais normalement, il me semble qu'il est quelque part ce vinyle-là. Ou alors vous faites pareil avec ce vinyle-là, par exemple, si celui-là vous plaît mieux que l'autre. Voilà, tiens. On va remplacer celui-là au pire. 5 Uzi, machin. Ça, c'est un vinyle que tout le monde s'en branle. On va faire un replace. Et là, on va aller dans les dossiers U. U2, ouais. On va replacer. Un masque. En
plus, il est ultra stylé. Pourquoi ils l'ont, pourquoi ils ont pas fait un truc comme ça sur Underground? Ça, je comprends pas. Tu vois. Alors. Underground. Et où de si Underground? Parfait. Ah merde, j'ai oublié de les sélectionner. C'est peut-être le point négatif de ça. Je dois les sélectionner. Et là, on a les deux. On a le masque et le normal. Parce qu'il y a le nom du vinyle et puis il y a Thierry Dubas masque. Ça, le masque, c'est le deuxième, ça. Ça, c'est le deuxième. Alors... on va remplacer celui-là. Bon, celui-là, on va le garder. Celui-là, on va le remplacer. Enfin, après, ça dépend, hein. Ça dépend. Vous pouvez même faire pareil avec le vinyle de Snoop Dogg. Parce que normalement, il faut taper un code triche pour avoir le vinyle de Snoop Dogg. Mais après, c'est par bagnole, par contre. C'est-à-dire que le vinyle de Snoop Dogg, vous ne pourrez pas le mettre sur n'importe quelle bagnole. Ou alors, il faudrait que je sache comment en créer. Et là, je vous montrerai comment bidouiller ça, comment le mettre sur n'importe quelle bagnole, par exemple. Mais bien le placer, genre. Non, mais ça, ce sera plus tard. On va le replacer. Parce que même le vinyle underground, je le trouve pas. Ah, merde. Replacer. Ah, parce que ça va mettre le dossier que vous avez utilisé précédemment. Alors. Par contre, je vous déconseille de les mettre en couleur, sinon la texture disparaît, les gars. What? What the fuck? Hop là, c'est... après, c'est pas grave, écoutez, on va voir ce que ça donne. On va voir. Ah oui, par contre, si ça fait ça, c'est tout à fait normal. Hein. Parce que là, il est en train de le sauvegarder dans le racine du jeu, et du coup, le PC croit qu'il ne répond plus. Mais en réalité, il a bien effectué sa manip. Voilà. Bon, c'est ridicule, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est underground, c'est comme ça. Alors moi, les dossiers, je vais tout déplacer ici. Ah merde, je suis bête. Ah, mais c'est tous les vinyles, ça. Le truc qui s'est fermé, c'est normal. Je suis complètement trompé. Merde. Parfait, tout est là. Là, on va pouvoir redémarrer notre jeu. Moi, les fichiers, je vais les supprimer parce que je l'ai déjà. Le fameux fichier que je vous ai demandé de télécharger tout à l'heure. Alors, vinyle. Non, pire, Sidewinder le veut, au pire. Moi, ça lui fera gagner du temps, écoute. Hein. Ta gueule! Tu ne briseras moins l'air.
Pourquoi je le mettrais ici, celui-là? Je les effacerai après. Je sais pas, il va dire si dans les commentaires. Le Wizard, il est pas là. C'est lui demander à lui. Alors je... What the fuck, frère, mais c'est pas ce que je veux faire. Oh, c'est pas vrai, mais c'est quoi ce bordel?
Après, je sais pas parce que j'ai l'impression qu'il a toujours son téléphone sur lui. Je sais pas, je vois connecter sur Discord, c'est pas normal. D'ailleurs. Oh, on va voir si ça a marché de ce que j'ai fait. Mais non, ça devrait marcher. Un feu mariste. Hein. Salut. Ah merde! Non, tout à l'heure, je l'avais bien lancé en... Je comprends pas, frère. Pourquoi il s'est mis comme ça, tout d'un coup? Capture d'écran. Non, là, c'est bon. What the fuck? Pourquoi ça fait un bug comme ça, les gars? Attends, je vais redémarrer le jeu. Mais non, c'est pas censé... Oh, mais là, c'est OBS qui a... Ah! Bah, c'est bon.